Un petit aspect technique pour jouer les phrases que je vous fais voir. Je joue toujours de deux façons en fait, très complémentaires et très différentes à la fois. J'utilise beaucoup le médiator, mais j'essaie aussi de jouer au doigt très régulièrement. Et en fait, les deux techniques sont très différentes, quoi. Donc, si je reprends la phrase que je vous ai jouée tout à l'heure, dans une vidéo précédente, au médiator, on va avoir. Dans un premier temps, j'essaie de jouer un aller-retour. Je joue un aller-retour, sauf pour tout le début chromatique, où là, j'utilise des pull-offs en fait. Mais toute la suite, je viens utiliser l'aller-retour quasiment toute la suite. Il y a juste ici où je viens encore utiliser un autre pull-off. Non, en fait, ça me fait. Le jeu du médiator permet vraiment de s'approcher du jeu d'un batteur avec les baguettes en utilisant l'aller-retour, mais pas uniquement. Là, j'ai utilisé des pull-offs. Dans certaines autres phrases, j'utiliserai des hammers ou des glissés. Après, donc, lorsque je passe au doigt, j'essaie d'adapter ma technique pour pouvoir jouer la même phrase avec les doigts. Et donc je me retrouve avec un jeu assez régulier à 3 ou 4 doigts en utilisant pouce, index, majeur, annulaire. Et je vais mes premiers pull-off, donc j'utilise cette technique. Et pour avoir un équivalent de l'aller-retour avec les doigts, je viens utiliser la technique index majeur alternatif, donc index majeur. Et ça me donne en fait. Et sur la fin de la phrase, j'ajoute mon pouce au jeu de la main droite. Ça me permet d'avoir cette possibilité lorsque j'ai des petits arpèges. Donc, c'est intéressant de s'amuser à adapter soit le jeu au médiator, soit le jeu au doigt.